Le projet Light, c'est un projet qui vient en prologue ou en épilogue de la pièce Invisible de Penda Diouf, qui est une adaptation de La Petite Fille aux Allumettes. L'idée, c'est aussi d'avoir des spectacles qui soient en lien avec les habitants, qui soient tout-terrain, qui puissent sortir des lieux dédiés, hors les murs. On a tout un parcours avec différents publics et différents centres de Vitry pour proposer plusieurs ateliers. Toute la scénographie et d'Invisible et de Light sont faits à partir de déchets. On a tous fait des objets un peu magiques. Des objets comme des objets qui peuvent nous protéger, un peu de la magie, un peu. Qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous rend heureux. Tous les projets de scénographie étaient sur du tissage, sur des liens, sur du nœud. Donc on a repris la thématique du fil, évidemment, vu que ça se passe sur un fil. Donc on a fait des fils avec des différents matériaux qu'on avait. Et ensemble, on a tissé des liens comme on a tissé les matériaux. La scénographie, ce sera toutes vos créations et tous vos petits bouts de rêve. On ne peut pas les ramener chez nous. Ça veut dire que ton œuvre va être cumulée avec d'autres œuvres et ça va être une super œuvre. Nous, notre grande question, c'est comment est-ce qu'on fait avec ces montagnes de déchets? Comment est-ce qu'on bricole dans l'incurable? C'est comme Wally, le robot nettoyeur, qui a une caverne incroyable de poésie parce qu'il bricole avec le cassé, avec le rouillé, avec l'abîmé. Justement, notre monde est un petit peu cassé, un petit peu abîmé. Donc, comment trouver de la poésie et qu'est-ce qui nous permet de tenir? C'est un peu la grande question de notre pièce Invisible et c'est la question qu'on pose aussi aux habitants. Qu'est-ce qui fait que vous continuez d'avancer dans ce déséquilibre? Qu'est-ce qui fait que même quand vous tombez, vous vous relevez? Et chacun, à tout âge, nous répond, nous donne leurs petites astuces pour défendre la joie. Et on écrit à partir de ça, et il y aura aussi des enregistrements sonores de ce qu'on a collecté. Je serai une policière parce que je serai forte et courageuse. Toujours souriante, calme, sage. On va créer des chansons ensemble, on va danser ensemble, on va faire ensemble un light des vitriaux. Ce sont les cibles de la vie, je les mets dans la danse, en cadence, en cadence. Cette musique est ma naissance, en cadence, en cadence. Le light des vitriaux ne sera pas celui d'Alençon et c'est un temps privilégié avec les habitants de cette ville, qui est une ville assez dingue, quoi. Le soleil se lève ce matin et je me prépare à passer une bonne journée. J'ai compris que les gens s'encombrent de tellement de choses inutiles. L'enfance nous donne des enfants avec leur innocence, leur spontanéité, leur amour de la vie et la beauté. Marche, cours, ris. Ne t'inquiète pas, je te regarde, je te souris, la vie est là.